Un incendie a été signalé très tôt lundi matin sur le marché principal de Bamako, la capitale du Mali, à quelques jours des célébrations de fin d'année. D'après les médias locaux, le brasier a démarré autour de 2 heures. Les flammes ont causé d'importants dégâts, mais aucune perte en vie humaine n'a encore été évoquée. Cette même partie du marché qui dessert quelques 2 millions de personnes était déjà partie en fumée en 2014. Ce drame survient alors que plusieurs voix ont appelé ces derniers temps les autorités à garantir une meilleure sécurité aux commerçants du grand marché de Bamako. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a lancé en octobre un important projet de modernisation visant à construire 5000 boutiques supplémentaires dans ce marché. Au mois de septembre, toujours à Bamako, un autre brasier avait fait d'énormes dégâts matériels, cette fois au marché de Médine, connu notamment pour ses stands de produits vivriers.